Salam alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiya, une vidéo qui concerne une histoire, une autobiographie. Donc cette femme ici a écrit un livre et ce livre parle de son mariage avec un bédouin, donc ici marié à un bédouin avec une faute ici, marié, il y a un E puisque c'est elle qui est mariée, donc c'est féminin. Donc ici, on commence la traduction, donc tazawajtu bedawiyen, bedawiyen, tazawajtu bedawiyen signifie je me suis marié à un bédouin. Donc tazawajtu bedawiyen, je me suis marié à un bédouin, voilà. La femme qui parle et son bédouin. Donc, le vocabulaire. Mufradat, hawala, hawala, donc à transformer, à tourner ici, on va voir dans le contexte, c'est à tourner, hawala, dans le sens de transformer, de transformer. Donc, tazawwaja, se marier, tazawwaja, se marier. Comme ici dans le titre, tazawwajtu, donc si vous voulez dire je me suis marié, tazawwajtu, donc bedawiyen, je me suis marié à un bédouin, tazawwajtu bedawiyen, on aurait pu dire par exemple tazawwajtu arabiyen, tazawwajtu, je me suis marié à un arabe, ou tazawwajtu arabiyatan, je me suis marié à une arabe. Hawala, donc transformer, tourner, tazawwaja, se marier, badawiyun, donc un bédouin, badawiyun, un bédouin, rawa, donc raconter, rawa, raconter. Ici, une histoire d'amour, ils ont oublié de le mettre, donc c'est ici, qissata ishq, donc qissa, c'est l'histoire, ishq, c'est la passion, l'amour. Donc, qissatu ishq, c'est une histoire d'amour. Wafatun, la mort. L'wafah, la mort. Qissa, c'est une histoire. Comme dans qissatu ishq, donc une histoire d'amour. Qissa, c'est une histoire en général. Qissa. Tafasil, ce sont les détails. Tafasil, les détails. Tafasil, les détails. Hafizun, hafizun. Hafizun, c'est catalyseur, c'est ce qui nous pousse à agir, une incitation, un catalyseur, une motivation, une incitation, un catalyseur. Ta'lif, composition, donc ta'lif, l'écriture, la composition d'une œuvre ou d'un livre. Ta'lif. Ibarat, ibarat, les expressions, ibarat, les expressions. Qissata hayatiha, l'histoire de sa vie. Donc là, en contexte, qissata. Bien sûr, normalement, dans un dictionnaire, on ne devrait pas. Là, il devrait répertorier en mettant qissatu hayatiha. Là, ils ont pris du contexte, ils ont fait un copier-coller, donc c'est pour ça qu'on a ici la fetha. Mais normalement, dans ce contexte-là, un contexte neutre, on mettrait qissatu hayatiha, l'histoire de sa vie. Une Néo-Zélandaise, donc de Nouvelle-Zélande, Marguerite, c'est son nom, Van Geldermalsen, raconte dans son livre l'histoire de son mariage avec le Jordanien Mohamed Abdallah, un bédouin de Petra. Donc voilà le petit article. Hawwalat, mu'atanatun, hawwalat, donc le verbe. Donc on dit d'abord le sujet, qui c'est qui a tourner, transformer. Muatinatun, c'est le citoyen. Muatinatun néo-zélandaise, Tudaa, qui s'appelle Marguerite Van Geldermalsen, Qissata hayatiha, l'histoire de sa vie. Donc voilà ce qu'elle a tourné. Elle a tourné, et je vous ai dit le contexte faisait qu'on avait A ici, oui, pourquoi elle a tourné quoi? Elle a tourné, donc le COD ici, l'histoire de sa vie, qissata hayatiha, elle a tourné l'histoire de sa vie,
Ma'azawjiha, avec son mari, ma'azawjiha, avec son mari, le bédouin, l'ordouni, jordanien, l'ordouni, le bédouin jordanien, Mohamed Abdullah, son nom, Mohamed Abdullah. Elle a tourné, donc elle a transformé ça en quoi? Il est kitabin, en livre. Elle a tourné, elle a transformé sa vie en livre. Il est kitabin, bi'unwanin tazawwajtu badawiyan. Donc dans le titre est, bi'unwanin, dans le titre est, bi'unwan, avec le titre, tazawwajtu badawiyan. Je me suis marié, ou j'ai épousé. Un bédouin. J'ai épousé un bédouin ou je me suis marié à un bédouin. Ouais, hier, oui. Ici, on avait donc Rawa dans le dictionnaire, donc c'est au passé, toujours. Troisième personne du singulier. Il raconte, il a raconté. Voilà, ça, c'est l'infinitif arabe. C'est toujours le passé et la troisième personne du singulier masculin. Il a raconté. Rawa, il a raconté. Donc le verbe raconter, puisque ça, c'est considéré comme l'infinitif en arabe. Le passé à la troisième personne, c'est considéré comme l'infinitif en arabe. Donc, rawa, il a raconté. Donc, déjà, vous savez comment dire il a raconté. Et ici, on a terwi. Terwi. Donc, pour le féminin, terwi. Et ça, c'est le présent. Terwi. Elle raconte. Et elle raconte. Pour un homme, ça aurait été yerwi. Yerwi. Donc, là, c'est pour la femme. Terwi. Gilder Melsin. Donc son nom de famille, et elle raconte, et Galdiel Malsin raconte, Ennehu ba'da wafati zawjiha, que hu, je ne sais pas qui ça concerne ici, hu, ce pronom-là, que après la mort de son mari, après la mort de son mari, l'année 2002, qarrarat an tajma'a qissatha fi kitabin yadhkuru asalata al-hayati al-badawiyya wa tafasilaha. Donc, elle a raconté que, donc, Terwi, Gelder Malsin, Ennehu, que après, donc, Ba'da, Wafati, Zewjiha, la mort de son mari, Am Elfenoutne, l'année 2002, Qarrarat, elle a décidé, Entejma'a, de rassembler Qissatehe, de rassembler son histoire, Qissatehe, fi kitabin, dans un livre, Yadhkuru Asalata, donc qui un livre qui mentionne un livre qui mentionne, qui rappelle, qui mentionne Asalata, comment dire Asalata, c'est la pureté, la pureté, l'authenticité, la pureté. Ça, la pureté, on pourrait dire. Asalata al-hayati al-badawiyya. De la vie, donc la pureté, la simplicité, la quintessence, Asalata al-hayati al-badawiyya, de la vie de Bédouin, al-badawiyya, de la vie de Bédouin, wa tafasilaha, et ses détails. Wa qalat inna, et elle a dit que, زواجي بدوي وزواجي بدوي وأبنائي سلوان ورامي زواجي إن قالت إن elle a dit que زواجي بدوي زواجي mon mariage est bédouin. وأبنائي mes enfants سلوى ورامي ومروان كانوا حافزا كبيرا
دفعني إلى تأليف كتابي. Donc زواجي ببدويين. Ah ouais, j'avais loupé la préposition. C'est pour ça que je comprenais pas. زواجي ببدويين. Donc mon mariage avec un bédouin. زواجي mon mariage avec un bédouin ببدويين. وأبنائي et mes enfants. أبنائي et mes enfants. سلوى, donc elle cite ses enfants. ورامي ومروان et مروان. كانوا حافزا, ils étaient le catalyseur, l'incitation. كبيرا, une grande incitation, était un grand catalyseur, une grande incitation, puisque c'est indéfini ici. دفعني, qui m'a poussé, دفعني, qui m'a incité, qui m'a poussé, il est تأليفي كتابي, à composer, تأليفي, donc un nom verbal, كتابي, mon livre, qui m'a poussé à composer mon livre, à écrire mon livre. Voilà, donc j'ai pris ici la racine be, del et wew, et pour la mettre en parallèle avec le Coran, pour voir ce qu'on trouvait, donc si on trouvait des sens différents ou les mêmes sens, etc. Donc j'ai rentré ça dans le Coran, et qu'est-ce qu'on a? Donc on a fermer d'abord ces fenêtres là. Donc on va prendre d'abord ça. On a donc la racine ici, be, del, wew, et cette racine, donc elle se trouve 31 fois dans le Coran sous diverses formes et avec plusieurs sens différents, 4 ou 5 sens. Donc has become apparent, donc est devenu apparent, ça c'est le premier sens qu'on trouve. Donc bedet et tout, donc est devenu apparent, voilà, tout ça c'est à peu près le même sens. And will appear, and has appeared, et va apparaître, et est apparu. And will become apparent, et deviendra apparent. Donc ici il y avait le sens, ouais, to become apparent, devenir apparent. Donc voilà, après on a le verbe de forme 4, to reveal, to disclose. Donc révéler, et c'est pareil, disclose, c'est révéler aussi. Donc un autre sens. Après, on a le sens, comme dans le livre, donc la vie bédouine. La vie bédouine, le bédoui. Après, on a le sens el-bédi, donc le visiteur. Après, on a living in the desert. Living in the desert. Donc bédouna. Donc vivre dans le désert. Après on a un sens immature in opinion, donc immature dans l'opinion. And was to disclose, donc ici on a après aller révéler. Donc voilà, donc les passages du Coran en question. Alors celui-ci, alors ouais, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. Ah voilà. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم. Alors يا أيها الذين آمنوا, oh les croyants, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم, ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Bitanatan, la tattakhidu bitanatan, bitanatan min dunikum. La ya'lunakum khabala. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Donc, la ya'lunakum khabala. Waddu ma anittum. Donc, ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Waddu ma anittum. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Qad badat al-baghda'u min afwahihim. Donc c'est ça qui nous
concerne, c'est cette racine-là, donc, bedet, s'est manifesté. La haine, certes, s'est manifestée. Qad bedet, s'est manifesté. Al-Bardaou, la haine. Min afwahihim, de leur bouche. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Et ce que cache leur poitrine est encore plus énorme. Donc ça, c'est un passage où on a le sens de bedet s'est manifesté. Ensuite, j'ai retenu un autre passage. On va prendre la partie ici. Wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi. من بعدي أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. Donc, on va prendre ce passage-là, c'est وقد أحسن بي. Et il m'a certainement fait du bien. وقد أحسن بي. أحسن بي. Et il m'a certainement fait du bien. إذ خرجني من السجن. Quand il m'a fait sortir de prison. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي et qu'il est venu et qu'il vous a fait venir de la campagne du désert. Donc ici, le bedoui, on a un sens proche du sens du texte, donc il est venu de la campagne du désert. On voit comme le bédouin. مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères et moi. Voilà. Et est-ce que j'ai un autre passage? Non, voilà, j'ai plus de passage. Donc celui-là, c'était la sourate 12, le verset 100. Voilà. Donc on voit que dans le Coran, on a aussi cette racine-là. Et comment ne l'aurait-on pas, puisque la péninsule arabique n'a pas vraiment changé. On a toujours d'ailleurs des bédouins qui s'y trouve. Voilà, donc on va finir cette vidéo là et je vous dis à bientôt inshallah pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.